Mon père m'a dit dernièrement, mon gars, il faut te marier. Si tu attends à 40 ans, tu pourras plus te décider. Il y a plein de filles autour de toi, tu n'as plus qu'à faire ton choix. T'aurais la grande fille à Hortense, c'est bon à prendre. Qu'est-ce que t'en penses? Intéressante, belle apparence, puis pas gênante et ragoûtante. Oh non, mon père, y a rien à faire. Moi, je préfère la fille du maire. Je resterai mon père célibataire plutôt que de prendre la fille d'Hortense. Elle est peureuse et babasseuse et cornifleuse et prétentieuse. Elle est boudeuse, superstitieuse, puis bégayeuse et chatouilleuse. La fille de Pierre ferait peut-être mieux ton affaire que la première. Une femme d'affaires, bonne ménagère, bonne couturière et la cordère. Oh non, mon père, y a rien à faire. Moi, je préfère la fille du maire. Je resterai mon père célibataire. Je n'aime guère la fille de Pierre. Elle est grincheuse et paresseuse, filamenteuse et ricaneuse, avaricieuse et gaspilleuse et prétentieuse et cancéreuse. La fille d'Arthur aurait de l'allure pour ta future, je te le jure. Une créature de bonne nature, faite sur mesure et une fille mûre. Je préfère la fille du maire. Je resterai mon père célibataire. La fille d'Arthur, ça n'a pas d'allure. Elle est trop fière, trop de manière, autoritaire et chicanière. Une vraie commère, comme sa grand-mère, un gros derrière, comme sa mère. Y'a la coiffeuse qui est amoureuse, puis ambitieuse et courageuse, affectueuse, puis dévotieuse et munitieuse et bonne chanteuse. Oh non, mon père, y'a rien à faire. Moi, je préfère la fille du maire. Si elle se marie, ce sera fini. Alors, mon père, je me ferai frère.